Bonjour Tatiana. Alors, vous avez maintenant une chaîne YouTube, c'est ça? Oui, je suis devenue une grande fille, j'ai ma propre chaîne. Ah, très bien. Et elle s'appelle Tate la Russe, c'est ça? Oui, elle s'appelle Tate, donc Ouais. T comme Tatiana, un petit espace, et après la russe en attaché. Alors, pourquoi la russe? Ben, au moins, voilà, je ne cache pas que je suis une agent et tous les restes. Hein, donc, au moins, c'est pas. Au moins, on sait dès le début, donc tous ceux qui ne veulent pas, ils n'iront pas. Hein. Ça m'aide déjà un petit peu d'éliminer tous ceux qui sont. Enfin, voilà. Mais en fait, vous êtes française. En annonçant la couleur, je fais de sorte que les gens qui me laissent des commentaires sont plutôt bien, quoi. Vous êtes française, en fait. Ben, c'est un peu compliqué parce que oui, je suis française depuis 36 ans. J'ai qu'une seule nationalité, donc j'ai gardé ma nationalité soviétique, on va dire, mais comme le pays n'existe plus. Du coup, ben, il se trouve que j'ai qu'une seule nationalité. Voilà. Donc, je suis française, mais dans mon âme, je resterai russe à jamais, quoi. C'est comme ça. Et d'ailleurs, depuis 2 ans, mon patriotisme russe, enfin, je veux dire encore une fois, merci à tous les médias étrangers, en tout cas, particulièrement LCI, BFM et TF1, d'avoir éveillé mon patriotisme, enfin, au niveau presque, enfin, mon patriotisme est exacerbé aujourd'hui d'un point, enfin, inimaginable. Je n'ai pas d'être russe à ce point-là. Donc, merci. Voilà. Alors, vous n'avez pas pu voter, donc, puisque vous n'avez... Bah, moi, je n'ai pas pu voter. Je n'ai pas pu voter. Donc, parce que je n'ai pas de nationalité. Mais s'il aura fallu voter, je sais pas. Je sais pas. Parce que, vous voyez, déjà, je suis très surprise qu'il ait été élu. Non, mais j'étais très surprise parce que normalement, les Russes, ils votent tous avec un flingue derrière la tête. Et là, comme ils ont des centaines de milliers de gens au front et comme ils meurent tous, enfin, comment dire, comme des geeks qui tombent là, je suis surprise qu'il y a encore en Russie les mecs, enfin, des soldats armés, enfin, suffisamment pour se mettre derrière chaque Russe pour aller les obliger d'aller voter, quoi. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça sur 3 jours, parce que les soldats, ils vont faire la ronde. Ils vont en accompagner un pour voter, ils vont revenir en prendre un autre. Vous voyez, sur 3 jours, ça a dû circuler. Oui, puis Parce qu'il n'y a pas. il faut rapatrier des soldats d'Ukraine pour ça. Non, mais là, ils ont réussi à voter. Mais je pense qu'ils ont réussi à voter pendant 3 jours, justement parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de soldats pour mettre derrière chaque Russe pour aller obliger à voter. Parce que je Quand vois pas d'autre. même. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les Russes vont voter un type qui a augmenté leur niveau de vie d'une façon inimaginable, qui dit qu'il aime son pays, c'est quand même très agréable, même s'il ment, on sait que c'est une action poutinement, et il dit qu'il aime son pays, c'est plus agréable quand même, hein. Il dit qu'il aime sa patrie. Et il promet que des jours meilleurs, enfin, je dis la vie en rose aux Russes. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont allé voter pour. Parce que regardez, là, en France, on a un président qui ne promet que du caca, qui dit ouvertement que tous les Français sont des paresseux, enfin, irresponsables et tout le reste, qui dit, enfin, qui dit, enfin, des trucs, qui même dit, la dernière fois, je l'ai entendu, il dit que systématiquement, il dit des trucs et il fait les contraires, donc systématiquement, il dit qu'il ment, et les Français votent pour lui, quoi. Vous voyez? Donc, je me dis, enfin, comment ça se fait que les Russes votent pour un type qui leur promet le contraire et qui fait tout le contraire? Je comprends pas. Je comprends pas ça. Je comprends pas. Je vois que vous n'êtes pas très, très pro-Macron. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qui vous dit que je suis pas très papa? Si? Ah, ouf! Attendez. Oh, ouais, la preuve, j'ai même fait des vidéos où je dis que je l'aime. Parce que Ah. ce type-là, non, mais attendez là. Ce type-là, depuis qu'il est au pouvoir, il a tout fait pour que la Russie aille de mieux en mieux, quoi. Il a tout fait. Tout, tout. Et là, en plus, il va envahir l'armée maintenant. Je me dis, le mec, il n'a pas dû regarder la météo. Parce que s'il envoie des soldats maintenant, bah, les mettant en Russie, là, vous savez, il fait encore négatif. Hein. Il y a encore de la boue, il fait froid, très froid, il fait un temps humide, il y a encore des moments où ça gèle. Il va envoyer des soldats maintenant là-bas. Je ne suis pas sûre qu'ils ont réfléchi à Audamar et compagnie. Hein. Bah, je dis que c'est, enfin, je veux dire, les peu d'armées que la France a encore, ils vont l'envoyer. Et comment on fait avec le Sahel? Non, mais je suis désolée. Parce que si on envoie les troupes là-bas, qu'est-ce qui va nous rester pour aller faire la guerre au Sahel? Parce que je vous rappelle, au Sahel, il se passe des trucs pas monstrueux, quoi.
Le franc CFA, ça va nous passer sous le nez. Le rognon, pareil. Non, mais enfin. Moi, je trouve que c'est pas très sérieux ce qu'il fait. C'est pas très sérieux. Bon, en tant que russe, je suis très contente parce que merci, monsieur. Hein, je l'appelle Mimi parce qu'il est tellement mignon. Hein. Je trouve qu'il est mignon. Il est mignon. Comment voulez-vous qu'il soit contre lui alors qu'il est si mignon? Vous avez vu sa nouvelle salopette là pour aller au front? Non, mais vous avez vu sa nouvelle salopette pour aller au front? J'ai vu sur une photo, j'ai fait une vidéo justement là-dessus, c'est génial. Il a une salopette qui est cousue sur mesure, qui est très près de corps, comme ça, avec de petites pochettes. Sauf qu'il y a un truc qui m'a. Il a une zipette qui va de là jusqu'au bout. C'est une Et combinaison d'aviateurs, Tatiana. non, mais attendez, il n'y a pas de zipette à la taille, quoi. Donc, ça veut dire que les mecs, s'ils veulent aller faire pipi, écoutez, je suis désolée, mais à la guerre, c'est le côté pratique qui compte. S'ils veulent aller faire pipi, il est obligé d'enlever tout. Ici, il a un gilet pare-balles, il fait comment, quoi? Je parle même pas d'aller faire caca. Hein. Peut-être que sa maman lui a mis des couches, j'en sais rien, mais enfin, c'est pas très sérieux, quoi, tout ça. C'est pas très sérieux. Donc, moi, je lui dis, Mimi, pas. Je suis désolée, mais tout ce que tu fais, c'est pour aider les Russes à se développer. Donc, je ne peux que t'adorer, quoi. Voilà. Peut-être Donc, qu'il a comment des voulez-vous que je sois contre lui? intérêts dans des sociétés multinationales russes, en fait. Ben alors, les sociétés multinationales russes, bon, c'est vrai qu'il y en a encore une, hein, c'est Novatek. C'est une société donc occidentale. C'est d'ailleurs le gaz, quand on dit qu'on achète le gaz russe, bon, il y a à peu près 20% qui appartient donc au total. Enfin, il y en a plein d'autres. Donc, c'est le gaz finalement. Enfin, les Russes, ils ne touchent pas un centime dessus. Hein. Donc, il faut quand même aussi un petit peu relativiser les trucs. Hein. Mais bon, non, je ne pense pas qu'il a des intérêts. Mais je pense que c'est un patriote. Je pense qu'il est comme moi, il est patriote. C'est un agent double. Il dit plein de trucs comme ça, genre oui, on est contre des Russes. Il a bien dit que c'était un adversaire. Hein. Hein, il n'a pas dit un ennemi, un adversaire. Genre adversaire politique, adversaire d'échec, adversaire parce qu'ils ont la même amoureuse, enfin un truc comme ça, vous voyez. Il réfléchit hein, au mot qu'il choisit. Hein. Il n'a pas dit que les Russes, ils font de la propagande. Il a bien dit une guerre informationnelle. Et puis en plus, je suis désolée, Poupou, il détruit nos hôpitaux. Alors, Merci de bah, votre comment l'aide? perspicacité, Tatiana. Oui, vas-y, 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 je suis Vous désolée, tu lances. scrutez l'actualité d'une façon très, très perspicace. Ben, disons que, comment vous dire? Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui beaucoup en France, en Europe, enfin en Occident, c'est de réfléchir. Déjà, on a la mémoire d'un poisson rouge, donc on oublie quand même très, très vite des choses. Puis ça va tellement vite, je pense qu'il y a exprès, il y a une, comment dire, une overdose d'informations que les gens n'ont pas le temps de l'assimiler. Et il faut prendre son temps. Et bon, voilà, donc on nous a appris à l'école aussi, depuis des années et des années, n'a pas tellement réfléchir, n'a pas tellement avoir la capacité. Vous savez, il faut que dans la tête, il faut qu'il y ait des petites neurones comme ça qui se croisent. Il faut que la réflexion, c'est un truc, ça vient pas spontanément. Je pense qu'il faut s'entraîner à ça. Et quand on réfléchit, mais il y a des trucs. Bah, regardez là, il y a là, dans l'une de mes vidéos, je pose une question toute bête que j'ai attendue personne ne posait en France. Comment est-ce qu'il va y aller, Mimi, là, pour faire la guerre aux Russes? On n'a pas de frontières communes. C'est logique. On n'a pas de frontières communes. Donc, par n'importe où on passe, le pays qui accepte l'armée française de passer, il est forcément co-belligérant. Donc, déjà, rien que ça, il faut quand même se poser la question. D'où l'effet de Polonais et les autres. Mais en même temps, les Polonais, c'est quoi leur intérêt de faire la guerre? Oh, mais ils C'est sont quoi dans leur le intérêt? temps, donc si la Non, 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 guerre. non. Oh, attendez, attendez, d'expliquer que l'Europe, un tout petit pays dans lequel tout le monde parle des langues très différentes, alors qu'ils sont vraiment voisins depuis des siècles et des siècles, c'est comme ça. Ça veut dire que c'est, voilà, c'est la preuve même que ces mecs-là n'étaient pas faits pour d'être, enfin, arrêtez de me dire qu'ils sont tous unis. Non, pas du tout. Si la Pologne, ils veulent faire la guerre, enfin, je veux dire, c'est parce qu'il a juste ses propres intérêts. Et ses propres intérêts, ils sont évidents, même pour les Non, mais aider. évident, évident, bien sûr. Mais de toute façon, il y a des Polonais qui font la guerre en Ukraine. Oui, ma part, ils font la guerre. Il y a une légion C'est quoi polonaise l'évident? qui fait la C'est guerre en quoi l'évident? Ukraine. C'est quoi l'évident? C'est quoi l'intérêt de Pologne qui sont évidents? De prendre des. Mais c'est de s'étendre. Oui, c'est ça. À récupérer tous les territoires qui étaient anciennement polonais. Oui. Les Russes, ces territoires-là, ils n'ont rien à secouer. Les Ukrainiens, les territoires, c'est des anciens polonais. Eux, ils aimeraient bien être polonais. Et les Ukrainiens, ils n'ont pas le temps de se défendre. Donc, Par contre, je crois que les Hongrois qui habitent encore en Ukraine sont du côté
de Kiev. Oui, mais ça, je veux dire, de toute façon, là, tout le monde sait qu'ils vont perdre. Donc, ils préparent une mini Yalta. C'est tout simplement ça. Donc, les Polonais, pour envahir ce territoire-là, pour les avoir, ils ont besoin d'avoir une légitimité. La France, les aidant, enfin, dans tout son petit micmac, là, ça présente cette légitimité-là. Donc, finalement, aujourd'hui, on prépare tout simplement la séparation de... Parce que les territoires qui vont rentrer en Pologne vont forcément rentrer et dans l'OTAN et dans l'Europe. Donc, tout le monde a l'intérêt que ces territoires-là soient polonais. Oui, enfin, Hongrois, de toute façon, l'Ukraine va arriver dans l'Europe. alors, Là, mais par petit bout, par petit bout, il va arriver, mais par petit bout. Il y aura une partie qui sera polonaise, une partie qui sera hongroise, et une partie, bon, la Moldavie, ça, elle joue un rôle, à mon avis, enfin, bon, elle veut devenir roumaine, bon, ça les regarde, hein. Bon, s'ils veulent disparaître, c'est leur problème. Il y a la Transnistrie, là, enfin, la petite crevette, là, qui est oui. russe, ça va poser des problèmes. Mais de toute façon, la Russie, alors, on a discuté il y a déjà quelques mois, vous m'avez dit que jamais Odessa ne sera russe. Ah, on a tenu un pari, moi je dis que jamais Odessa ne sera européenne. Ça, c'est sûr et certain. Elle pourrait peut-être avoir une position BEDEX, mais plus on attend, plus l'Occident attend pour signer la paix, un accord, plus finalement elle perd des chances d'avoir cette position BEDEX. Oui, mais le gros problème d'Odessa, c'est que si les Occidentaux ne peuvent pas avoir quelque chose sur la mer, il va y avoir peut-être autre chose. Il va y avoir peut-être une guerre. Ça. Une guerre, ça veut dire que là, il n'y en a pas? Hein? Vous voulez dire que Non, là, il n'y a pas? une guerre, Oui, une vraie je confrontation. comprends ce que vous dites. Mais le problème, c'est que pour avoir une guerre, il faut avoir aussi des moyens de le faire. Et aujourd'hui, Non, il non, ne non, faut quand non, 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 non. Si l'OTAN se met dans la guerre, même. la Russie aura des Oui, mais problèmes. qui vous a dit que si l'OTAN se met dans la guerre, il n'y aurait que la Russie? Par exemple, prenons la Chine. La Chine, elle n'a aucun intérêt que la Russie perde cette guerre. Mais Qui vous dit que la Chine la n'a Chine... aucun intérêt à se mettre l'Europe à dos. Oui, mais elle n'a aucun intérêt L'Europe que la Russie pour la teste une Chine, question de c'est balance. du pain béni pour l'instant. Si perd, la Chine, c'est la prochaine sur la liste. Et les Chinois, ils l'ont déjà dit ouvertement que s'il y a une guerre ouverte avec l'OTAN, ils aideront la Russie. Ça a été déjà dit. Et le président chinois ne dit jamais rien pour rien. Et il a déjà dit ouvertement, ils rentrent, ils laisseront faire tant que ça reste dans ce cadre-là. Si l'OTAN officiellement déclare la guerre à la Russie, ils vont le faire. Et il ne sera pas le dernier. Ils ne seront pas ni première ni dernière. Je vous assure que ce sera effectivement une guerre mondiale parce qu'il y a énormément de pays aujourd'hui qui ont l'intérêt que la Russie ne perd pas. Donc s'il y a une vraie guerre, la Russie ne sera pas seule. Et ça, je vous le promets. Parce qu'aujourd'hui, la Russie, pourquoi? C'est ça la question. C'est ça, d'ailleurs, pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder ma vidéo de ce soir, parce que j'explique à peu près pourquoi est-ce que l'Occident déteste à ce point-là Poutine, parce que quand même, il va avoir des raisons. Mais la dernière des raisons, c'est ça. Poutine, aujourd'hui, il représente, on va dire, de l'espoir. Il représente l'espoir pour beaucoup, beaucoup de pays non démocratiques et despotiques, mais ça représente l'espoir de finalement enfin se libérer de ce couvercle lourd et puissant de l'Occident qui posait dessus. Donc, pour le moment, il regarde, parce que pour le moment, ça bouge pas. Mais on sait qu'une guerre se prépare. C'est pour ça que les Russes vont aussi mollo, parce qu'elles savent qu'il y aura un problème. Donc, tout le monde se prépare à ce gros problème. Donc, si aujourd'hui, l'OTAN déclare la guerre à la Russie, et je comprends qu'ils ont tout l'intérêt de le faire, hein, pour regarder ma vidéo de ce soir, pour comprendre les raisons. Mais ce que je veux dire, si ça déclare, la Russie ne sera pas seule. Et ça, c'est sûr et certain. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont pas fait. Et autre raison, les États-Unis ne vont pas entrer en guerre ouverte avec la Russie. Et donc, je voulais quand même parler un peu de ma chaîne. Donc, ma chaîne, le principe. Donc, c'est vrai que, bon, j'ai beaucoup étudié, j'ai quelques connaissances, on va dire, et puis un point de vue un peu différent sur beaucoup de choses. Après, j'arrive pas, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à le dire d'une façon professorale. Ça, c'est toujours mon défaut. Tous les mémoires que j'ai écrits, on m'a toujours dit qu'ils étaient drôles, alors que j'écrivais sur le sujet très, très, très sérieux.
j'arrive pas. Mais en même temps, voilà, c'est peut-être aussi ma nature russe de voir toujours un côté rigolo dans tout. Et puis, c'est vrai que l'humour, quelque part, permet de dire des choses brutales, mais sous une forme sur laquelle ça passe. Donc, du coup, j'ai choisi un petit peu cette façon de faire. Donc, parfois, les gens disent que ça leur fait rire. Mais le rire, c'est aussi un super moyen pour, enfin, voyez, je pose des questions que, à mon avis, pas grand monde pose aujourd'hui. Et je pousse les gens à s'interroger. Et c'est un peu ça le but, quoi. Voilà. De ma chaîne, en tout cas. Et puis aussi, bon, voilà, tout va tellement mal que, bon, il ne reste que rigoler, quoi. Comme disaient les Russes dans les années 90. Merci beaucoup, Tatiana. Alors, je rappelle, Tat Larus, c'est votre chaîne, c'est ça? Là. Bien, Tat et espace, la Larus, Russe. d'accord. Voilà, c'est ma Ok, chaîne. merci beaucoup, Tatiana. À Merci très à vous, bientôt. Philippe. Merci, un grand merci. Et puis voilà.